habituellement, ainsi que comme deuxième base lumière mon pigment Pearl White de chez TKB. Voilà, un blanc irisé. Tac. Donc ça c'était pour la base lumière. Je les appliquerai ces paillettes avec donc le fix plus de MAC, excusez-moi. Voilà. Donc. Ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, je mettrai donc mon mascara de chez Sephora. Celui-là, donc c'est le Lash Stretcher le noir. Il est vraiment super ce mascara, il est très bien. Ensuite, mon chien qui aboie en haut. C'est pas grave. Un peu plus de la moitié. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais tracer jusqu'à la moitié de mes sourcils, le ras de mes sourcils inférieur, évidemment inférieur. Ras de mes cils inférieur. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends un fard à paupières noir, la palette Circus de Slick. Donc le noir il est là et je fais tout tomber. Et que voilà. Donc tout de suite démaquillage, c'est parti. Salut salut, bonjour à tous. Aujourd'hui cette vidéo sera Coucou, me revoilà. Donc me revoici sur le salon de la photo. Je suis arrivée avec Simon. Et donc j'ai trouvé Amy qui m'a superbement accueillie. Et donc me revoilà, donc je suis arrivée au salon de la photo et voici qui arrive. Coucou. Donc plein de choses à voir, c'est magnifique, il y en a plein à se mettre dans les yeux. On a fait des photos. Fait la connaissance aussi de ses collègues, des modèles, des assistants. On est en photographe. Ça a été vraiment une super super journée. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Super journée. Merci YouTube au passage. Et merci à YouTube parce que sans YouTube forcément. Puis là on va nous déranger. Putain, j'ai l'impression d'avoir 99 ans. Mais c'est. Et vous êtes un jeune petit bébé, c'est pour ça. Ah bon, voilà. Wow. T'as vu ça? Je vous connais pas, je peux pas. Donc voilà, donc que vous dire d'autre à part merci de me suivre et merci encore à tous les abonnements. Suivez la. Merci encore à tous vos abonnements. Je suis vraiment très très heureuse. Et donc et merci aussi à moi pour tous les abonnements. C'est clair. Donc oui, j'ai rencontré Amy, ça y est, super heureuse, super journée. Hein? C'est fort, mais je suis en train de parler là. Vous nous entendez derrière, tu sais. Donc ça y est, je suis arrivée au salon de la photo. Ça y est, Amy est ici. Aïe, tu l'as ridicule là. Le travail du doigt aussi est quelque chose de, pour certains diront que c'est le doigt est l'instrument le mieux que les pinceaux d'ailleurs. N'interprétons pas cela mal s'il vous plaît, n'ayons pas les idées mal placées, on est d'accord hein. Au niveau du make-up je parle bien, on est d'accord. Que le doigt, beaucoup diront que travailler à la main comme ça, ça va vraiment bien mieux faire pénétrer le produit. On rigole pas, s'il vous plaît. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc avec la couleur la plus claire, donc la Light Ivory Beige, avec mon pinceau plat toujours, hein, celui-là. Et ça commence. C'est parti. Petite poudre, ça suffit, hein, presque je dirais, pour certaines. C'est vraiment pas obligatoire, quoi. Pensez d'avoir un beau teint uniforme, c'est tout ce qui importe. J'ai mes toutous qui font du bruit, c'est super.
couleur. Le noir fera ressortir la couleur du fard à paupières. Donc tout ça, il faut essayer de se dépêcher, de l'appliquer, pour éviter que ça sèche, quoi. Il faudrait l'appliquer, le fard à paupières, avant que l'eyeliner gèle. Avant que l'eyeliner gèle, ne sèche. Voilà. Mascara Sephora, toujours le Last Treasure. Voilà, donc j'ai volontairement tordu l'embout pour faciliter l'application. C'est super sympa, je vois beaucoup de personnes qui m'ont donné cette astuce. Et franchement, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est génial. Ça vous permet d'aller dans les recoins et puis de l'autre côté, de l'autre main. Et là, je m'en fous partout. On prend coton-tige. Voilà. Toujours avec un pinceau crayon. Un autre. Voilà. En fait, comme elle est un petit peu plus claire que celle-ci. Merde. Comme elle est un petit peu. Celle-ci est un petit peu plus claire que celle-ci. Ça va faire. Merde. L'intermédiaire. C'est parti. Une fois que ceci sera fait, je prends un autre crayon, un autre pinceau crayon. Celui-ci, c'est celui de MAC, le 219. Voilà, celui-ci. Il fait pas tout à fait rouge, il est rouge-rouge, mais... Bref, c'est pas grave, vous me comprenez. Voilà, voilà. Et par-dessus ça, au centre de mes lèvres inférieures, de ma lèvre inférieure, j'en ai qu'une. Donc avec ça, j'ai rajouté donc une touche lumière, des fossiles. C'est bien. Oui, je fais ce que je peux. Attends, mais c'est parti là. Attends, mais il se passe. C'est parti. Allez, Rosalie, putain. C'est la petite. Donc, que vous dire d'autre? Bonne année 2020!